appartient. Je peux crier fort ici, personne ne me fera rien parce que tout le monde me connaît. Personne ne me fera rien. Même si la police arrive, ils ne me feront rien parce qu'ils savent qui je suis. Alors, il faut arrêter avec vos conneries quand vous êtes dans les réseaux en train de bavarder et tout. J'en ai rien à foutre. Si j'en ai rien à foutre, je vous l'ai toujours dit. Nous sommes focus dans ce combat. Nous sommes focus dans ce combat. Et le combat, c'est au Cameroun qu'on doit le mener. Et les Français le savent. Les Français savent qui je suis. Donc quand je parle dans les réseaux, ils savent qui est cet homme-là. Ils savent jusqu'où cet homme-là peut mourir. Alors, j'attends Serge Anango. Excusez-moi, je parle même ce que je n'allais pas parler. Parce que j'attends, justement, impatient qu'on en finisse une fois pour tout. Qu'on en finisse. Parce que vous avez dit, moi je ne suis pas dans ce combat. La vie c'est un aller simple. J'ai pris un aller simple. La vie c'est un aller simple. Donc je ne suis pas là pour un aller-retour. Pour ceux qui ont pris l'aller-retour, c'est votre problème. Moi je ne suis pas là pour un aller-retour. Je suis dans ce combat. Comme la vie le dit, c'est un aller simple. Je veux mourir pour le Cameroun. Fils de pute de Serge Anango. Peut-être que tu ne connais pas mon engagement. Tu ne connais pas, tu restes dans les réseaux. Et que tu bavardes les histoires à la con. Tu penses à ton boulot. Tu penses à tes enfants. Mes enfants savent que je suis mort. Ma famille savent que je suis mort. Alors je mourrai, je le dis encore, pour le Cameroun. Le reste, j'en ai rien à foutre. La vie ne me sert à rien. Les années que j'ai fait en prison, ça ne me sert à rien du tout. Je préfère mourir pour libérer le Cameroun. Alors pour ceux qui pensent que les combattants sont ici parce qu'on est en train de jouer, je vous le dis encore, il y a plusieurs combattants comme moi qui n'ont plus rien à perdre. On a trop souffert dans cette vie. J'ai trop souffert. Donc maintenant, je suis prêt à mourir. Je suis un sacrifié. Je vous le dis encore. Je me sacrifie pour le Cameroun. Pour ceux qui ne comprennent pas, j'attends Serge Anango ici, à la gare de Pierre Fistin. Je veux mourir avec Serge. Ici, aujourd'hui, comme ça qu'on n'en parle plus. Que le combat s'arrête. Que le Congo ça s'arrête. Que tout ce combat ça s'arrête. Je veux mourir avec lui. Alors, il faudrait que les gens arrêtent. Oui, Serge. Serge, tu es là. Tu m'as dit que tu m'attends pour me battre. Alors, je t'attends. Non, ne rigole pas. Je ne suis pas là pour rigoler. Je suis venu me battre avec toi. Oui, oui, je suis venu me battre avec toi. Oui. Je suis venu me battre avec toi. Alors, bats-toi avec moi. Bats-toi avec moi. Bats-toi avec moi. Idiot. Appelle la police. Incroyable. Je t'appelle. Vous croyez que parce qu'on est interrompu, je suis là. Tu es là. Je suis là. On est deux, non? Mais oui. On est deux. Non, je sais pas. Mais pourquoi j'entre dans ta voiture? Personne n'est tombé sur toi, Serge. Tu rêves. Voilà tous les gens qui sont là. Tu as demandé les témoins. Mais on t'a dit que personne n'est tombé. Pose-nous la question. Nous sommes en direct. Pose la question. Je suis en direct. Pose la question. En plus, tu as la chance. Qui est tombé sur toi? Hein? Tu as la chance, je ne suis même pas venu vraiment bagarrer. J'ai vu qu'il y a trois personnes qui me sont tombées dessus. Mais qui est tombé sur toi? Laisse-la répondre. Parle. Laisse-la répondre. Déjà, t'écoute, oui. Combien de personnes me sont tombées dessus? Qui? Est-ce que je me suis battu avec lui? Qui? Parle. Vous avez vu quelqu'un? Voilà. Vous avez vu quelqu'un? Je viens d'arriver, moi. Voilà. Donc, il vient d'arriver. Demande alors. Il y a un bus qui vient de partir. Demande. Arrête de raconter des conneries. Bien sûr. Demande qui est tombé sur toi. On connaisse. Demande qui est tombé sur toi, oui. Prends la voiture, moi on va que deux à deux. Que toi et moi. Viens dans ma voiture aussi. Viens dans ma voiture. Non, il veut bagarrer. Viens dans ma voiture. Tu vois que t'es bourré, viens dans ma voiture. Tu es saoulé, que deux. Mais allons-y. Viens toi et moi. Mais pourquoi dans ta voiture? Allons dans ma voiture. Je suis seul.
Si dans ma voiture. Alors, famille, vous donne un spectacle. Alors, c'est pas bien. Si dans ma voiture, on est fait tous les deux. Il m'a tendu un bus avec trois personnes. Il est venu avec trois voyous qui sont barrés là. Il ne veut pas parce que je vais porter plainte. Ils sont avec trois voyous. Tu demandes à tout le monde. Tout le monde te dit. Tout le monde te dit. Ils étaient seuls. Non. Mais voilà les gens. Arrête de mentir. Allons-y. Le rendez-vous, c'est où? 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 Oui, je suis...